cette nouvelle vidéo sur Soccer Manager 2017. Donc, c'est parti les amis. Vous avez vu, j'ai mis mon intro cette fois, toujours avec Lille. Chargé parti. Donc la dernière partie, c'était le 9 octobre, je crois. La dernière vidéo, ouais, c'était le 9 octobre, certainement, avec Lille. Pour l'instant, 6 vues pour l'instant. Quand je filme cette vidéo, ben, c'est le même temps. C'est le même jour. Cette vidéo, je la mets en même temps que je vais la mettre. Donc, je le fais en début de journée. Début d'après-midi. Donc, on affronte l'OL pour la première journée. Donc, la Ligue 1, Nancy, Lorient, Metz, Guingamp, Rennes, Marseille, Caen, Bastia, Montpellier, Paris, Lyon, Lille, Nantes, Toulouse, Saint-Étienne et Bordeaux. Mes pronostics pour le match, Nancy, Lorient, je veux dire que Lorient va gagner. Metz, Guingamp, match nul. Rennes, Marseille, ça va être Marseille, je pense. Caen, Bastia, pareil, égalité, Paris qui va gagner. Ensuite, Nantes, Toulouse. Je dirais Toulouse et Saint-Etienne, Bordeaux. Je dirais Saint-Etienne. Et moi, je vous dis pas les pronostics, mais je vous dirai qui a gagné, qui, voilà. Alors. Ah ouais, c'est bien fait. Moi, je trouve que le logo est bien fait, regardez. Très bien fait, je trouve. Donc, joueur clé pour l'équipe, Alexandre Lacazette, valeur 19 millions d'euros. Mais mon joueur clé, c'est Vincent Yama, 3 millions 42. Donc, nous les performances, on a fait magic. Une victoire, un nul, une victoire. Eux, c'est défaite, victoire. Donc, on est au pack OL. On a 7 millions de budget. Donc là, on va mettre Vincent Yama. Bien sûr. Et derrière également, on va le mettre. On va laisser Laïbal, notre nouveau joueur, qui avait bien joué dernier match. Mais je vais essayer de parler plus fort parce qu'on n'entendait pas quand pendant les matchs. Franck Beria à la place de Sunju. Beaucoup de changements, hein, par rapport au dernier match. Donc, les joueurs de la réserve, non, pas besoin. Eric Botek, non. Tant pis. Allez, on va laisser cette formation. Donc, pour l'équipe l'OL, ils ont Lopez en gardien, en défense, Christophe Jallet, Nkoulou, Morel, Quentin Toulouse, attention à lui, c'est un très bon joueur. En milieu, Gonalon, Grenier, milieu offensif, Mathieu Valbuena. Oui, bon, Jordan Ferry très bon également, Romain Dardère, oui. Et en pointe, c'est Lacazette, ça va être chaud pour ne pas se prendre de buts. Et oui, il peut avoir jusqu'à 59 500 personnes. 59 500 places qu'il y a, maximum. C'est parti pour ce match. Donc, l'OL est favori, bien sûr. Attention à Jordan Ferry. Faute de Mabumba. Non. Il y a pas mal de Mabumba pour le repasser. Allez, je pense que non. Oh! Tu prends, tiré par Mafitano. Et bien, on va continuer. Mabumba. Alors, Lopez. Tac. Koné. Je voulais mettre Sunju. Ah, on va. Sunju qui va rentrer à la place de Mabumba, qui a ses points à 4 points. C'est parti. C'est parti. Et franchement, les logos sont très bien faits, je trouve. Et on sait qu'il y a 35 444 personnes. Au parc OL. Une grosse ambiance. Attention à la cassette. Et le but de la cassette. Donc il revient à partir. Aïe. 48 minutes. 2 minutes après la main.
pour la province de la première de l'Espagne. C'est pas bon. Oh là là, mais la passe. La cassette. Merci, Oyama. Non, pas un partout. Victoire, au moins de l'île. Bon, enfin, bon match. Jordan Ferry, élu meilleur joueur du match. Passeur, Jordan Ferry. Donc, on va continuer. Donc, victoire des... Donc, on gagne 100 points, on gagne. 5000. Donc, Nancy qui se sont fait défoncer par l'Union. 5-0, victoire de Guingamp 2 à Saint-Mens. Victoire 1-0 de Marseille. Match nul 0 partout entre Caen et Bastia. Et là, beaucoup de buts. Victoire 3-2 de Paris Saint-Germain face à Montpellier. Donc, on a gagné. On a fait un match nul 1 partout. Victoire 1-0 de Toulouse face à Nantes. Et victoire 2-1 de la Saint-Étienne face à Bordeaux. Donc là, voilà. On s'en fout un peu du classement. Alors, classement, les amis, tableau, voilà. Premier, Lorient. Deuxième, Paris. Troisième, Saint-Etienne. Quatrième, Guingamp. Cinquième, OM. Sixième, Toulouse. Septième, Lille. Huitième, Bordeaux, Lyon. Neuvième, Bastia. Dixième, Caen. Monaco, qui n'ont pas joué. Angers également. Dijon, Nice. Et quinzième, Montpellier. 16e Mens, 17e Bordeaux, 18e Nantes et les relégués. Yeah, c'est les 19e et 20e, je crois que c'était le 18e, 19e, 20e. Bon. 19e Rennes et dernier Nancy. Ok, voilà. Ah. Domicile extérieur. Nous, on est 7e. Ok. C'est mieux. Les extérieurs sont les domiciles sont favoris face aux extérieurs. Pour la forme en championnat, Lorient s'en forme. Meilleure influence, c'est Ayon. 35 445 personnes qui ont assisté. Lille et Lyon n'ont pas pu se départager et le match est terminé sur le score de 1 partout. Donc, franchement, c'est bien le premier match. Franchement, j'ai trouvé. Parce que c'est une grosse équipe. Hein. Donc, les rencontres. AFC Ajaccio-Lens, j'espère que Lens va gagner. Et pour la Ligue 1, les derniers matchs. Nice-Monaco à 16h, pareil pour Angers-Dijon et également pour AS Ajaccio-Lens. Victoire 4-1 de Monaco face à Nice, victoire 2-1 de Dijon face à Angers, victoire 2-1 d'AS Ajaccio face à Lens. Donc je voulais savoir combien on est. On est 9e. Donc, voilà. L'affluence, c'est toujours Lyon. Le 7 août. Il n'y a rien le 8 août. Donc, l'autre rencontre, le dernier match, je pense, de Ligue 2, c'est le Havre face à Auxerre. Il est en 3-0 de Le Havre. Je vais mettre Ligue 2. Championnat. Il ressemble presque. Ben oui, au jeu. Premier, t'as Laval, Le Havre. Ah, il n'y a pas la nationale par contre. Affluence, la meilleure affluence, c'est Brest. 13 953 personnes qu'ils avaient. Ok. La 16 millions peut acheter un autre gardien parce que. Notre gardien est un peu vieux. Il va bientôt prendre sa retraite, j'espère pas. Sao Paulo a battu l'Atlético Mineiro en finale de la Copa Libertadores au Universitario pour soulever le trophée. Bien, bravo à Sao Paulo. Donc, on va voir s'il y a un bon gardien pour nous. Non,
Mon gardien est pas très bon. Désolé. Tac. Oui, ça ressemble vraiment très bien. Donc le 13 août, bah c'est aujourd'hui, on affronte chez nous l'équipe de Nantes. On est 9e. Nantes est classée 17e et ils avaient perdu le dernier match. Donc on va essayer de rechercher un gardien. Note d'environ 90. On va voir agent libre, mais agent libre, il n'y a presque jamais rien. Non. 85 le général seulement. Et pour 15 millions d'euros, par exemple. J'ai pas assez d'argent. Donc, on va avoir un attaquant. Pour 90 également. 8 millions. On recherche. Haruna Koué. Ah, mais 25 ans, bien sûr. Ok. Et pour les agents libres? Là, c'est sur les prêts. Des prêts. Meilleur, c'est lui, Tevi Bifuma. De l'équipe Bastiaise. Bastia. Les cheveux qu'il Donc, Lorient Metz, Marseille Caen, Bastia Montpellier, Paris Angers, Dijon Lyon, Lille Nantes, Toulouse Saint-Étienne et Bordeaux Nice. Donc, on est pour le deuxième match. Donc, 12 minutes déjà de vidéo. Donc, pour nous, on a les quatre derniers matchs, victoire nulle, victoire nulle. Trois victoires, une défaite en championnat, je crois. Ouais, sur 17e, on est 9e. Alors, Rémi Rioux, qui a joué un match, le dernier match, c'était pour un but. Bon, il y a un qui a fait un match également. Clinchy, je crois que ça veut dire. A-t-il fait une invincibilité? Non. D'invincibilité. Invincibilité, ça veut dire. On va laisser comme ça. Hein. On peut être un peu. Light blade, on va voir. Correct. De moyenne. Passable. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je rappelle plus qu'est-ce que je voulais dire. Non, c'est bon. Non. Donc, on va mettre Depréville. Donc, la tactique de notre Rémi Liu, qui va être en attaque, en gardien. En défense, Dubois, V42, Djidji, Mwembe. En milieu, Gilet, Rogier. En attaque, en milieu offensif, Thompson, Bambou, Thomasson. Et en attaque, Aristegui. Donc, il faudrait qu'on cherche des milieux. On n'a pas beaucoup de milieux. Ou bien, on a dans la réserve. Ça bug. Comme la dernière fois. On a beaucoup de possession de balles. Ah, ma pitano, un coup de poing. Comme la dernière fois, c'est défendu. Et un coup de Préville. 7 minutes de jeu. 8 minutes de jeu, c'est une balle de Préville. Le mec juste avant. La dernière fois, Holder, tu tapes le poteau. Ok.
qu'un simple poteau, c'est dommage. Mais on a eu raison, mon Nicolas Decoville, qui fait déjà un super bon. Il a un franc de l'instant. Et derrière, attention, ensuite, Euler, 28ème minute de jeu, but d'Euler, 2-0 pour Lille, au dominant. On est les meilleurs. Donc, Lopez. Non, attends, ne vous inquiétez pas. Vous voulez savoir le match, retour au match. Donc, Mendes, on va le laisser. On va le laisser comme ça. Donc, ceux qui sont en inférieur de 6. Donc, Eder, il y a 7. Et ben, il y a Mer qui a un but, donc on va le laisser. Il faudrait que je mette quand même beaucoup de matchs pour lui, hein, Nicolas Decoville. Un très beau match. Ok, avec des panneaux, heureusement, la belle arrêt dans Yama. 9 de moyenne, et Rémi a eu 10. Le début. Allez, Ryan Mendes. La belle passe pour Eder. Eder, qui met son doublé dans ce match. Troisième but pour lui dans cette saison pour l'instant de Ligue 1. Souvent. Et prévu le doublé de Nicolas Decoville. 4-0 pour Lille. On domine cette équipe. Victoire 4-0. Mérité. Énorme. Deux passes à Amalfitano. Donc, meilleur passeur, je pense, à Amalfitano. Meilleur buteur, je pense, Eder également. Trois passes pour Amalfitano en cette saison de Ligue 2. De Ligue 1, Eder 2 buts, Mendes 2 passes décisives et Nicolas Decoville également. Eder est le meilleur joueur du match. On a tout défoncé, les amis. C'est parfait. Donc, les sauvegardes, on voit là. Donc, victoire 2-1 de Lorient face à Metz. Victoire 1, match nul 1 partout entre Marseille et Caen. Match nul 1 partout entre Bastia et Montpellier. Ensuite, victoire 3-0 de Paris, encore une victoire pour Paris. Victoire 2-1 de Dijon face à Lyon. Oh mon Dieu, Dijon-Bayon. Énorme. Victoire 4-0 de Lille face à Nantes. Victoire 4-0 de Saint-Etienne face à Toulouse. Match nul 2 partout entre Bordeaux et Nice. Et on voit que Lens a gagné face à Gajaccio 2-1. Alors, Lille a enregistré une bonne victoire contre Nantes lors de leur récent match. Les supporters scandaient le nom d'Alexis Boulanger alors que les joueurs quittaient le terrain. Ouh, ça c'est une gentille. Sympa. Donc on va mettre toujours Nicolas Decoville. Tableau. Donc premier Lorient. Deux victoires. Deuxième Saint-Etienne. Troisième Paris. Quatrième Dijon. Cinquième Lille. On monte dans la Ligue Europa. C'est bien ça. Sixième Marseille, c'était Monaco avec un match, 8e Guingamp avec un match, 9e Toulouse avec deux matchs, 10e Bastia, 11e Caen, 12e Bordeaux, 13e Montpellier, 14e Lyon, 15e Nice, 16e Rennes avec un seul match, 16e Rennes avec un match, 17e Metz, 18e Angers, 19e Nancy avec un match et dernier Nantes. Ils se sont fait défoncer. Donc, domicile. Extérieur. Donc c'est parfait. Forme en championnat. Les plus en forme, c'est Lorient, Dijon, Saint-Etienne, Paris. Influence, la meilleure influence, c'est l'Olympique de Marseille. 53 007 personnes. Déjà 53 007 en deux journées. Ah oui, les stats, les amis, je veux savoir. Meilleur buteur, sur ma philo photo, ensuite Nolando et Eder. 5 buts déjà pour ma philo photo. Performance moyenne, le meilleur joueur. Ah non, les statistiques. Ah ok. Meilleur passeur, c'est notre joueur. Morgan Mafitano, 3 passes. Di Maria de Paris, 2 passes. Et Riemann, c'est qui Riemann? What? C'est un petit. Il est bon. Donc, homme du match.
Celui qui a été le plus homme du match, c'est... Il y en a beaucoup, hein. En un seul match, il a fait ses clics et qui batte. C'est qui Glick? Ah ouais, il est bon. Essayez de l'avoir. Pour 7 millions, c'est acceptable, hein. Carton jaune. On s'en fout un peu des cartons et tout ça. Je trouve. Allez, j'espère qu'on l'aura. 28 ans seulement. 89 de général, il est énorme. Aperçu. On affrontera le 20 août dans 7 jours au stade Pierre-Mauroy chez nous, Angers. Donc, cinquième on est, c'est bien ça. Nous sommes dans la... Oui, ok. Ah, Monaco-Nancy, Guingamp-Rennes pour la Ligue 1 en Ligue 2, Auxerre Valenciennes. Match nul, un partout entre Monaco et Nancy. Victoire 2-0 de Rennes. Victoire 1-0 de Valenciennes face à Auxerre. Donc le tableau, on reste cinquième. Monaco juste derrière nous, sixième. J'espère qu'on pourra avoir clic. Un Polonais. Ah. Ah oui, ils veulent! Carrément, va! What? Oh ouais, carrément. Punaise! Il veut... Ah oui, quand même. Confirmer l'offre. Va-t-on l'avoir? La ligne de Bourg-en-Bresse face à Amiens. 8h40 d'Amiens qu'ils ont défoncé Bourg-en-Bresse. J'espère qu'on l'aura. Allez! On l'a eu! Mais par contre, on est pauvre, très pauvre. Mais on l'a eu. Glick. Ah. Chez nous. Un défenseur. Ouais. Il fera donc son premier match. Prochain. La tactique, les amis, on va changer. La formation, j'ai envie de mettre en 4-4-2. Donc, il est où clic. Pas de distinct. Il va être à la place de Sivelli. Donc, Fabien, on va le laisser. Sankara aussi. Lono, Sivelli. Koné. Non. Sunzu, non plus. Amadou. Donc, Adrien Camelli, non. Il faut un milieu gauche. On l'a. On a-t-il un milieu gauche? Voilà, c'est là. Tactique comme ça, c'est bien. 4-4-2. Donc, on l'a. Ah, il a été performant. Il doit être content. Ah, coupe.
C'est quoi comme coupe? Coupe de la Ligue ou coupe française? Donc voilà. Ah, on a un message. La fédération de football a révélé les numéros de boules attribués à chaque club pour le tirage au sort à venir du tour de la deuxième coupe de la Coupe de la Ligue française. Lille a obtenu la boule du numéro 18. Club à surveiller pour le tirage au sort. Lens et Valenciennes, ça va aller. L'équipe de Ligue 2, c'est bien. Ça sera un... Lens Valenciennes, ça sera un match du Schnorr. 25 minutes de vidéo, on va faire un dernier match certainement, avant de se quitter. Parce que j'ai envie de faire 30 minutes de vidéo par match. Par... Ah! Angers, Lens. Marseille. Nice, Dijon, Montpellier, Restart, Toulouse. Ça, c'est bien fait. Bourg-en-Bresse. Gagnon, c'était pareil pour Football Manager. Lyon, Metz, Bordeaux, face à Nantes, Troyes, Auxerre, Lorient, Paris. Monaco, Rennes, Orléans, Caen, Lille. On affronte qui? Chez nous? Sochaux! Oui, très bonne équipe. C'est bien. Valenciennes et Ajaccio. Nancy, Nîmes, Bastia, Saint-Étienne, Le Havre, Amiens. Donc, on a la chance. Oh punaise, chez nous en plus. Vite, il est retour. Non, on n'a pas besoin. Lille affrontera Sochaux lors du deuxième tour de la Coupe de la Ligue française. Quand? Et oui, quand? Ah ouais? Oh mon Dieu! Moins 278 000! Je voulais pas l'acheter. On va faire le dernier match. Je suis dégoûté, on a perdu de l'argent. Donc, un good shoot. Donc, pour Angers, une victoire, un nul et deux défaites. Consécutives en ligne 2. En Ligue 1. Donc on va laisser cette tactique. C'est parti, j'ai pas regardé la tactique. Dommage. C'est parti pour ce match. Aïe aïe aïe, on est dans le rouge. Ce sera ça, je pense, le titre de la vidéo. Ah oui, on va un peu baisser le son. On va même pas mettre son. Ah, ça bug. Tu vas mettre un peu de son. Ce sera nul. Sinon, un jeu sans son. L'instant, pas beaucoup d'occasions en début de mi-temps. En première mi-temps. Ah, peut-être. Ndoye, la vraie de Rolia Moyen. Déjà deux cartons jaunes prolongés. Donc, Eder qui fait un match pourri. Oh. Va mettre Lopez à la place d'Eder. Et après, Depréville également. Non. Donc on a remplacé Depréville. Eder qui fait un match de pourri, pourri, pas de merde, pourri. 3 sur 10, SK. Corsia, oh Corsia, combien de potes? Non, 80 pour Corsia. Corsia qui va se faire remplacer. Et il en pause. Non, Koné.
Koné qui va jouer ce match, qui va remplacer voilà. Allez, la marquita au sable. Vous avez vu l'angle du gardien. Ah, Scorcia qui sera fait remplacer. Mafitano, Lopez, le Flamil, but de Flamil. Oui, Flamil. Pire coup, oui, encore. 10 de moyenne. Énorme. Bravo. Petrick qui dégage. Il n'a pas dit. Ah. Carton jaune pour Monir Badou. Alors, on va le remplacer également. Lebiat qui va rentrer à la 79e minute de jeu, à la non, 88e minute. 79e minute, ouais. Attention. Bat oh là là, le but. Non, non. On va se prendre un peu comme ça. Hugo Capel à 32e minute de jeu. Et meilleur joueur, c'était Nicolas Dépréville, heureusement, qui a marqué un but. On fait un match nul. Donc pour l'instant, on fait que des matchs nuls. Fait que ça, match nul, victoire, match nul, victoire. 31 396 personnes présentes au stade Pierre-Mauroy. Ça bug. Ah. 8h4-1 de Monaco face à Lorient. 8h3-0 de Marseille face à Metz. Match nul 1 partout entre Bastia et Rennes. Match nul 0 partout entre Paris et Guingamp. Match nul entre Dijon et Montpellier 0 partout. Victoire 4-1 de Lyon face à Toulouse. Le tableau. Ah, on revient à la surface, donc on n'est pas dans le rouge. Premier Monaco, deuxième Paris, troisième Marseille, quatrième Dijon. Et nous, on baisse, on est septième. Forme en championnat, on est septième. Affluence, mais affluence, c'est toujours Marseille, 106 000. On est 1, 2, 3, 4, 5. Lille a remporté un point pour une égalité contre Angers. Donc, les amis, je vais sauvegarder la partie parce que j'ai pas envie de recommencer tout. Et donc, je vous dis à la prochaine. Et à bientôt! N'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne. Et à liker si vous avez bien aimé ma vidéo.